Bonsoir. Bienvenue à la soirée Coup de cœur Sport Hommage Desjardins. Voici vos animateurs, Stéphanie Guérette et Dominique Fugère. Bonsoir à tous, mon nom est Dominique Fugère. Bonsoir, mon nom est Stéphanie Guérette. Il nous fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette soirée toute spéciale, un gala Sport Hommage Desjardins qui est vraiment sous une formule un peu différente, on va se le dire cette année. Unique. On a l'habitude de se voir en personne, on a l'habitude de recevoir nos athlètes, leur remettre les prix, mais évidemment, en ces temps un peu incertains, on a préféré garder tout le monde chez eux. Nous, on est ici en studio, ça va nous permettre de quand même honorer les athlètes de la région et puis souligner ce qui a été accompli malgré cette année 2020 un peu spéciale. Oui, tout à fait spéciale, je pense que c'est le mot à retenir. La Corporation Sport Hommage qui ne voulait surtout pas passer sous le silence les différentes réalisations de nos athlètes régionaux. En effet, la passion est demeurée présente, est demeurée entière. Et puis, on a décidé de faire ce gala en formule virtuelle, en formule à la maison. Ça va être différent, mais on va quand même s'assurer de souligner vraiment l'impact, l'apport et surtout les efforts de chacun. Bonsoir à tous. Je me présente Sandra Sassine, présidente du conseil d'administration du Club de la médaille d'or et double olympienne en escrime. Le Club de la médaille d'or est très heureux de continuer à collaborer avec Sport Hommage Mauricie et l'Excellence sportive Mauricie afin de soutenir les athlètes de la relève dans leur cheminement vers l'excellence. À ce titre, je souhaite féliciter chaleureusement tous les athlètes mauriciens qui sont une source d'inspiration et de fierté pour la communauté sportive québécoise. Le club a donc le plaisir d'accueillir 4 athlètes de la communauté des boursiers de la soirée des coups de cœur Sport Hommage Desjardins. Du fait de votre parcours et de vos expériences, vous deviendrez des ambassadeurs et des mentors de votre communauté. Félicitations à Vincent Fillon de hockey, Florence Brunel de patinage de vitesse courte piste, Mathias Guillemette de cyclisme sur route et piste et Laurent Flamand de volleyball. Vous recevez chacun une bourse de 500 $, donc félicitations à tous. Alors, je vous souhaite de partager beaucoup d'autres succès avec votre famille, la Mauricie et le Québec. Continuons ensemble de bien prendre soin de nous, des athlètes, des entraîneurs, des clubs de la région. Bonne soirée à tous et merci. Gagnant du prix relève masculin à la Fédération québécoise des sports de cyclisme sur route et sur piste, Mathias Guillemette a remporté 3 de 4 épreuves l'an dernier, dont celle à Madison au Wisconsin. On va le rejoindre. Également récipiendaire d'une bourse du Club de la médaille d'or, Mathias Guillemette, le cycliste. Mathias, t'as la chance de pratiquer un sport dans lequel les participants sont pas trop près les uns des autres, donc t'as quand même été capable de faire quelques compétitions là, au cours de l'année 2020. Oui, en effet, ça l'aide un peu, comparément aux sports d'équipe, que nous, on peut continuer à s'entraîner tout seul à la maison et même compétitionner à des compétitions. Comment ça s'est passé, ces compétitions-là, pour toi cette année? Au début de l'année, c'était des compétitions plus individuelles, donc on appelle ça les contre-la-montre qu'on court tout seul sur un parcours. À la fin de l'année, on a réussi à faire même une course sur route, qu'on appelle, à plusieurs personnes dans un peloton. Donc ça, c'était vraiment amusant, vu que c'était la première de l'année, mais ouais, on a réussi à courir au moins. Et puis là, l'entraînement recommence intensif, puis tu te prépares, là, tu as déjà quelques courses dans ta mire, là, en vue, évidemment, de ta préparation pour les Olympiques de 2024. Oui, en effet, on a un camp de Cycling Canada à fin avril, préparatoire pour la Coupe du monde à Cali, à la première semaine de juin. On a bien hâte, on va suivre tes exploits en Colombie. Félicitations pour cette bourse et puis on te suit un peu partout sur les routes et dans les vélodromes à travers la planète. Merci beaucoup. Merci. Tristan Guillemette, cyclisme. Depuis plusieurs années, Desjardins est un partenaire important de Sport Hommage Mauricie en participant financièrement aux différentes bourses remises aux récipiendaires. Afin de remettre 2 certificats d'accomplissement sportif, voici Sonia Gauthier de Desjardins. Florence, et à toi Mathias. Wow! Vous m'impressionnez. D'avoir réussi de tels accomplissements à votre âge, au nom de Desjardins, je tiens à vous féliciter pour vos exploits. Vous êtes vraiment 2 jeunes inspirants.
et je suis certaine que vous inspirez beaucoup d'autres personnes autour de vous. Dans mon travail, je fais un peu comme vous. Je pédale fort, je suis vite sur mes patins et je sais que pour réussir, ça prend de la persévérance et beaucoup de discipline. Je salue votre éthique de travail qui vous permet d'être là avec nous aujourd'hui. Je suis heureuse de vous remettre au nom de Desjardins ces coups de cœur qui sont pleinement mérités. Encore une fois, toutes mes félicitations et je vous souhaite le meilleur des succès pour les prochaines années. On retrouve Mathias Guillemette. Mathias, est-ce qu'il y a des gens dont tu voudrais souligner l'apport, les efforts dans ce que tu as réussi à accomplir cette année? Oui, bien sûr. J'aimerais remercier mes parents, Nathalie Perron et Michel Guillemette, pour tout l'aide depuis les 12 dernières années. Mon entraîneur personnel, Pascal Morin. L'entraîneur de l'équipe du Québec, Pascal Choquette. Excellence Mauricie, alias Marie-Ève Nau, qui nous aide beaucoup pour tous les services. C'est la Fédération québécoise des sports cyclistes qui organise beaucoup de courses durant l'été. Sport Canada, Cycliste Canada, le Club de la médaille d'or, bien entendu, le Gala Sport Hommage, Louis et Normand Baudouin de maçonnerie Hélène Baudouin, le groupe Vincent Chemingan de Trois-Rivières et mon équipe continentale X-Speed United. Les messages sont faits. Merci beaucoup, félicitations et bonne année. Merci à vous.